Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Père, nous voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens boire aux eaux de ta rivière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. C'est mon désir de te servir, de te servir, de nourrir de ta loi et te plaire. Assoiffé, assoiffé, bien disposé, me réjouir dans ta présence. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom à vous, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que la faveur, l'amour du Père vous environne dans votre vie et dans cette journée, dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur encore ce matin, frères et sœurs. Le fait que de dormir et de se réveiller, ce n'est pas par habitude, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour du Père, c'est la faveur de l'Éternel des armées. Amen. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'Éternel est notre berger, nous allons demander un miracle en ce jour. Un miracle en ce jour se produise
que le miracle se produise en ce jour et que le miracle s'opère dans notre vie ce matin et que le miracle soit le bienvenu dans notre vie en ce jour. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons prier le Seigneur, nous voulons glorifier ce Dieu merveilleux qui nous a mis la force, santé dans notre corps, afin que nous soyons en vie, qui nous a renouvelé sa bonté, son amour. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, alors que nous venons devant ta présence ce matin, alors que Seigneur nous nous fléchissons nos genoux devant ta face, parce que la Bible déclare, Seigneur ô Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, ainsi je vous donnerai du repos. Seigneur ô Dieu, nous venons devant toi, Seigneur ô Dieu, pour te dire d'abord que tu es notre bon berger. Nous voulons te reconnaître, Seigneur ô Dieu, ta Seigneurie. Nous voulons, Seigneur de gloire, apprécier aussi ta bonté dans nos vies ce matin. Merci pour la force santé. Merci pour la vie, merci pour le miracle que tu vas produire dans notre vie aujourd'hui. Merci pour les surprises merveilleuses que tu vas créer, Seigneur ô Dieu. Louange à ton nom, Seigneur. Mon âme est dans la joie ce matin de bénéficier, Seigneur, le souffle de vie, car beaucoup sont morts, Seigneur de gloire. Ils n'ont plus, Seigneur de gloire, la vie. Ils n'ont plus le souffle de vie, mais toi, tu nous laisses encore, Seigneur, sur la terre des vivants. Nous te sommes reconnaissants ce matin, alors que nous voulons, Seigneur, prendre part, Seigneur de gloire, dans ta bergerie. Seigneur, nous te prions, Seigneur, prends soin de tout un chacun, Seigneur. Prends soin de tout un chacun. Celui qui est fatigué, tu lui donnes la force. Celui qui est, Seigneur, malade, que tu le guérisses. Celui qui est, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu de gloire, dans l'oppression de l'ennemi, qu'il soit délivré. Seigneur, ô Dieu, ce matin, Seigneur, nous voulons que ton amour surabonde dans nos vies. Parce que, Seigneur, ô Dieu, nous savons que, Seigneur, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Alléluia. Elle ne chancelle point, mais elle est affermie pour toujours. Gloire à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin. Au nom suprême de Jésus, nous t'avons si prié. Et nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous acclamons le Roi de gloire, le Seigneur de nos vies. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible déclare ceci dans Jean chapitre 10 au verset 7. La Bible déclare, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Amen. Il est la porte des brebis. Ce matin, la porte des brebis va créer un miracle. Nous allons demander un miracle ce matin. Un miracle se produise dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, un miracle, cela veut dire des choses que tu n'as pas calculées, des choses que tu n'as pas, mis ça dans ton programme et que cela arrive dans ton programme. Amen. Gloire à Dieu. Le paralytique, il était toujours devant la piscine de Bethsaïda. Il était là, bien-aimé dans le Seigneur. Or, il attendait le miracle. Il attendait son tour. Il attendait quelqu'un puisse le jeter dans l'eau. Mais il ne voyait pas. Mais il y avait un jour, alléluia, un jour, Jésus-Christ est passé par là. Il a reconnu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il a reconnu que c'est lui qu'on appelle la porte des brebis. C'est lui qu'on appelle la porte des miracles. C'est lui qu'on appelle la porte de la guérison. C'est lui qu'on appelle la porte du changement. Alors, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, tous ensemble, nous allons aller dans cette porte. Nous allons dire, oh Jésus-Christ, c'est parce que tu es la porte des brebis, nous voulons que tu nous pardonnes. Pardonne-nous ce matin. Nous avons besoin que tu nous pardonnes parce que, bien-aimés dans le Seigneur, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est vrai. Et la vérité de Dieu ne sera point à nous. C'est bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Selon Romains 3 au verset 23. Alors ce matin, tous ensemble, comme un seul homme, nous allons demander la faveur de Dieu ce matin. Nous allons demander la faveur que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne.
Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix là où tu te trouves, commence à demander pardon à Dieu. Éternel Dieu des armées, nous voici devant toi ce matin. Alors que nous nous tenons, Seigneur, à la porte des brebis, nous crions ce matin au secours, nous crions ce matin à l'aide, nous crions ce matin, pardonne-nous. Oh Dieu de paix, ce matin, nous voici devant toi. Nous ne pouvons pas, Seigneur de gloire, paix, passer outre. Nous voulons simplement te dire, nous avons le péché à nous ce matin. Nous voulons que tu nous pardonnes la manière dont nous avons pu se comporter, la manière dont, Seigneur de gloire, Père, nous avons pu, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, penser, oh, qui n'était pas agréable vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne mon cœur, pardonne-moi ce matin. Pardonne ma vie ce matin, Seigneur, toi qui pardonnes toute iniquité, toi qui pardonnes, Seigneur, le péché, toi qui pardonnes, Seigneur, de gloire, le microbe, toi qui enlève le péché. Nous voici devant toi ce matin. Le psalmiste dira, mon âme, bénis l'Éternel de tout ce qu'il est. Bénis l'Éternel, car c'est lui qui te pardonne toutes tes fautes, toutes tes péché. Oh, je te prie ce matin de nous pardonner, parce que c'est toi, Seigneur, qui peux nous pardonner mieux. C'est toi, Seigneur, qui peux, Seigneur, nous comprendre mieux. Seigneur, oh Dieu, nous voici devant toi. Nous te disons, Seigneur, oh Dieu de gloire, pardonne-nous, Seigneur, nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, nos angoisses. Pardonne-nous, Seigneur de gloire, nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur de gloire, nos incompréhensions. Pardonne-nous, Seigneur de gloire, nos maladresses. Nous te prions ce matin que tu nous pardonnes. Ah, Dieu de gloire, ce matin encore, Seigneur, nous sommes comme des enfants, comme des bébés, Seigneur de gloire, qui veulent, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, être lavés, qui veulent, Seigneur, être, Seigneur de gloire, portés dans les bras de leur mère. Nous te prions ce matin de nous de prendre soin de nous laver ce matin, de nous pardonner ce matin, de nous changer, Seigneur, oh Dieu, les mauvaises envies et de nous donner, Seigneur, de bonnes pensées, les pensées venant de toi. Nous te prions ce matin, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur de gloire, nos petitesses. Oh Dieu de gloire, ne nous laisse pas dans cet état. Nous voulons que notre état soit changé. Nous voulons que notre caractère soit changé. Nous voulons notre Seigneur être soit changé. Nous voulons notre raisonnement soit changé. Seigneur, nous prions à toi ce matin. Viens nous pardonner par ton amour. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Tu as dit dans ta parole de Chroniques 7 au verset 14, si mon peuple circuit est invoqué mon nom, s'humilie et prie, si se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous voici devant toi. Fais-le parce que tu es le Dieu d'amour. Fais-le parce que tu es le bon berger de nos vies. Et cela dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Alléluia. Au verset, donc Jean chapitre 10 au verset 9, il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons trouver des pâturages, nous voulons être sauvés, nous voulons être purifiés par le sang de l'agneau. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Amen. Oh, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, oh, nous a déjà donné la victoire. Jésus-Christ nous a déjà donné le sang précieux qui est déjà à notre disposition. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons simplement dire, oh, le sang de l'agneau lave nos cœurs, lave nos vies ce matin, que nous soyons purifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons d'aller, de rentrer dans sa porte, dans sa maison, afin que nous soyons, bien-aimés, lavés, nettoyés, afin que nous puissions trouver du pâturage. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, tendre Père, nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi, toi qui es la
porte des brebis. Toi qui es la porte des brebis, tu dis si quelqu'un entre par toi, oh, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. Ce matin, nous voulons trouver du pâturage par le sang de l'agneau. Nous voulons être lavés ce matin par le sang sans tache ni ride, par le sang qui a enlevé la honte de notre jeunesse, par le sang qui nous purifie. Purifie-nous ce matin, lave-nous ce matin, nettoie nos cœurs ce matin, Seigneur. Oh Dieu, je te prie ce matin, ne laisse pas, Seigneur de gloire, perdre mon cœur. Oh Dieu, sois, Seigneur de gloire, au Père affaibli. Ne laisse pas, Seigneur, ma vie, sois, Seigneur de gloire, découragé. Je te prie ce matin, nettoie mon cœur, nettoie ma vie ce matin, Seigneur. Oh, que le sang de l'agneau puisse nettoyer nos cœurs ce matin. Nettoie ma maison, nettoie mes enfants, nettoie, Seigneur, ton peuple. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, oh, voici donc le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, le sang de Jésus qui enlève l'abomination, le sang de Jésus qui enlève la maladie, le sang de Jésus qui enlève le microbe, le sang de Jésus qui enlève le péché, le sang de l'agneau qui efface. Oh, je veux ce matin que ton sang puisse effacer le péché dans mon cœur, que ton sang puisse effacer le péché dans mon âme, que ton sang puisse effacer le péché dans mon esprit, oh, dans ma mémoire, oh, dans mon cerveau, que je sois purifié ce matin. Lave-nous ce matin, purifie-nous ce matin, nettoie nos cœurs ce matin. Nous voulons bénéficier du sang précieux de Jésus. Nous voulons bénéficier du sang de l'agneau, le sang sans tache ni ride, le sang sans tache ni, oh, alléluia, obscur. Nous voici devant toi ce matin. Nous voulons être lavés, nous voulons être nettoyés, nous voulons être comblés ce matin. Viens nous laver, viens nous nettoyer par le sang de l'agneau. Il nous faut le sang précieux de Jésus. Il nous faut le sang de l'agneau ce matin. Lave-nous ce matin. Purifie nos cœurs ce matin, car nous voulons être agréables. Nous voulons être saints devant toi, irrépréhensibles. Nous voulons être convenables à toi ce matin. Nous voulons être, Seigneur, sans tache ce matin. Nous voulons être, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, apprécié, Seigneur, à tes yeux. Voilà pourquoi nous voulons que le sang de l'agneau puisse parler à notre faveur. Car nous savons, Seigneur, oh Dieu, c'est toi la porte, Seigneur, des brebis. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, oh, tu dis, si quelqu'un entre par toi, il sera sauvé, il sera lavé, il sera purifié, il sera nettoyé, il sera, oh, pardonné. Oh, ce matin, nous voulons être lavés, Seigneur. Lave ma maison, lave ton peuple, lave ton église, lave, Seigneur, oh Dieu, ta nation, Seigneur. Lave, Seigneur, le troupeau de ton pâturage ce matin. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un est, Seigneur de gloire, dans la difficulté, qui te cherche, Seigneur de gloire. Oh, voici donc, Seigneur, nous te cherchons, Seigneur, car ta parole est vraie. Seigneur, oh Dieu, dans Ésaïe 55, tu nous dis, Seigneur de gloire, cherchez l'Éternel, tandis qu'il est prêt, tandis qu'il est prêt, invoquez-le. Oh, nous voici ce matin, nous voulons le sang de l'agneau puisse nettoyer nos cœurs. Nous voulons le sang de l'agneau puisse laver nos vies ce matin. Nous voulons le sang de l'agneau puisse enlever les microbes. Nous voulons le sang de l'agneau puisse nous régénérer ce matin. Le sang de la victoire, le sang de Jésus, lave-nous ce matin, lave-nous ce matin. Nous savons, Seigneur de gloire, toi qui es prêt, Seigneur de gloire, à nous secourir, toi qui es prêt, Seigneur, à nous justifier. Voilà pourquoi nous disons ce matin, nous voulons, Seigneur de gloire, bénéficier de ce sang miraculeux, de ce sang précieux, afin que nous soyons précieux à tes yeux, afin que nous soyons précieux devant les hommes, devant, Seigneur de gloire, Père, les nations. Au nom de Jésus. Oh, purifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin, que nous soyons lavés par le sang de l'agneau, le sang qui crie mieux que celui d'Abel, le sang précieux qui enlève les abominations, qui enlève l'envoûtement, qui enlève la colère, qui enlève la tristesse, qui enlève la médiocrité, qui enlève, oh, le sourire démoniaque et satanique. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans ce passage, Jean chapitre 10 au verset 9, il dit « Et lorsque vous rentrerez, vous sortirez et vous trouverez de pâturage. » Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est l'Éternel Dieu qui fait à nous le vouloir et le faire. Amen, amen, amen. Le voleur vient que pour dérober et égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander ce matin que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit te donne la vitamine spirituelle, que le Saint-Esprit te donne la vitamine spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit te donne la vitamine spirituelle, tu vas au fait te trouver un endroit qu'on appelle un endroit de pâturage. Tu trouveras du pâturage. Tu trouveras l'abondance dans ta vie. Alors demande au Saint-Esprit, alléluia, de te donner la vitamine. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Oui, Saint-Esprit, nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi ce matin. Nous voulons bénéficier de ta vitamine. Donne-nous ta vitamine spirituelle, ta vitamine dans notre cœur. Oh, pour enfin que nous puissions trouver, oh, de l'endroit du pâturage, l'endroit, Seigneur, qu'on appelle un endroit, Seigneur, de l'abondance. Un endroit, Seigneur, oh, nous allons, Seigneur, nous régaler. Oh, Saint-Esprit, donne-nous ta vitamine ce matin. Donne-nous ta vitamine ce matin. Nous voulons bénéficier, oh, ce matin, d'être, Seigneur de gloire, ravitaillé. Ravitaille nos cœurs. Saint-Esprit, donne-nous ta vitamine. Donne-nous ta vitamine ce matin. En d'autres termes, donne-nous, oh, que nous puissions trouver du pâturage. Du pâturage dans notre être. Du pâturage dans notre esprit. Ce matin, nous voulons que tu souffles en nous ce matin, oh, le souffle de la vitamine, le souffle de la vitamine dans notre vie, dans le nom de Jésus, que nos corps puissent bénéficier de la vitamine de l'esprit, la vitamine de l'esprit, au nom de Jésus, la santé de l'esprit, que nous puissions bénéficier de cette santé merveilleuse, au nom de Jésus. Saint-Esprit, ne nous laisse pas. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Le consolateur, quand il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous montrera des choses à venir. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Ramène-nous dans le vert pâturage. Ramène-nous dans la vie abondance. Oh, nous voulons ce matin bénéficier de cette vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi encore et encore. Le consolateur que le Père, oh, alléluia, a déjà envoyé. Le consolateur sûr qui est avec nous. Nous voulons que tu nous puisses nous donner la vitamine dans notre corps, la vitamine dans notre santé, la vitamine dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, donne-nous ta vitamine ce matin. Donne-nous ta vitamine ce matin, afin que nous puissions vivre de pâturage dans nos vies. Afin que nous puissions vivre la bonne santé. Nous voulons la bonne santé de l'esprit. Nous voulons la bonne santé dans nos maisons. Nous voulons la bonne santé dans notre corps. Nous voulons la bonne santé dans notre corps physique. Nous voulons la bonne santé dans notre corps spirituel. Nous voulons la bonne santé dans notre mémoire. Nous voulons la bonne santé dans notre être. Nous voulons la bonne santé ce matin. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne nous laisse pas à toi. Oh, nous voulons bénéficier de la bonne santé, et cela dans les noms puissants, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Mes bien-aimés, frères et sœurs, oh, bien-aimés dans le Seigneur, quel privilège ce matin de posséder le bon berger dans nos vies. Le bon berger dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, il dit, je suis le bon berger prend soin, donne sa vie pour ses brebis. En d'autres termes, il prend soin de ses brebis. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, tous ensemble, nous allons demander, frères et sœurs, que le bon berger puisse réaliser un miracle dans notre journée, un miracle dans notre journée. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, oh, le bon berger, réalise ce matin un miracle inattendu dans ma vie ce matin, dans cette journée. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudra que tu puisses vivre le miracle. La Bible déclare, le miracle accompagneront ceux qui auront cru. Malabrasata, les kalamama shekerebosia. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux demander le bon berger de t'accorder un miracle ce matin? Un miracle dans ta vie ce matin se produise. Qu'un miracle ce matin, Seigneur, s'opère dans ta vie. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, tendre Père, le bon berger de nos vies, le bon berger de nos vies, nous voici ce matin. Nous désirons ce matin un miracle surnaturel, un miracle puissant, un miracle palpable, un miracle, Seigneur, venant de toi, parce que c'est toi qui donnes la vie à ces brebis, c'est toi qui crée. Oh, nous voulons ce matin que nous soyons maintenant, Seigneur, oh Dieu, visité par un miracle, Seigneur de gloire, Père inattendu, un miracle dans chaque domaine, un miracle, Seigneur, dans le domaine de la santé, un miracle dans le domaine spirituel, un miracle dans le domaine professionnel, un miracle dans le domaine moral, un miracle, Seigneur, oh Dieu de gloire, dans le domaine psychologique, un miracle ce matin, un miracle se produise dans nos foyers, un miracle ce matin, parce que tu es le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors nous voulons ce matin que tu crées à nous, que tu crées un miracle Seigneur soudain, un miracle Seigneur de gloire Père dans notre vie, un miracle Seigneur de gloire palpable, un miracle puissant, un miracle Seigneur de gloire Père, oh Dieu de gloire, s'opère ce matin. Nous voulons ce matin Seigneur un miracle s'opère au niveau administratif Seigneur. Nous voulons un miracle, Seigneur, au niveau, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, dans notre santé, dans notre corps, un miracle au niveau du tribunal, un miracle s'opère ce matin, dans la situation, Seigneur de gloire, de la maladie, un miracle s'opère, nous voulons qu'un miracle ce matin, car la Bible déclare, lorsque nous allons rentrer dans la porte des brebis, nous allons sortir, nous allons trouver du pâturage, nous allons vivre, oh, la vie Zoé, nous allons vivre la vie en abondance. Ah, nous voulons ce matin vivre cette vie en abondance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, le bon berger crée ce matin un miracle dans la vie d'une soeur, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un frère, dans la vie, Seigneur de gloire, Père, d'un parent. Je te prie ce matin, l'Esprit de Dieu, le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur, crée un miracle dans nos vies ce matin se produise, un miracle se produise ce matin, parce que le bon berger arrive toujours à donner la vie, sa vie pour ses brebis, le bon berger arrive toujours à sauver ses enfants, le bon berger arrive toujours à secourir ses enfants. Nous voulons ce matin être secourus ce matin, oh, par un miracle venant de toi, par un miracle venant de toi, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus, qu'un miracle se produise ce matin. Qu'un miracle, Seigneur de gloire, Père, puisse pénétrer dans nos foyers, dans nos maisons ce matin, dans notre corps ce matin, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Bartimée avait crié parce qu'il voulait un miracle. La femme de la perte de sang aussi avait dit, si je puis simplement toucher ce bord de son vêtement, je serai guéri. En d'autres termes, il voyait que le bon berger possédait le miracle. Oh, je veux ce matin que nous puissions posséder
posséder ce miracle, le miracle dans nos vies, le miracle dans nos vies, dans les noms de Jésus. Nous en avons besoin, nous en avons besoin. Seigneur, ô Dieu de gloire, que le miracle s'opère ce matin. C'est lui qui n'arrive pas à parler, qui puisse parler. C'est lui qui est muet, qui puisse bénéficier de ce miracle dans les noms puissants de Jésus. C'est lui qui est sur le lit de l'hôpital, qui puisse être guéri totalement. C'est lui qui est maintenant oppressé par l'ennemi. Oh, qu'il soit plus oppressé dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Oui, aucun miracle se produise ce matin. Parce que tu es le bon berger. Nous voulons trouver du pâturage. Nous voulons trouver du pâturage ce matin. Nous voulons trouver une vie en abondante dans les noms de Jésus. Car tu es le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi ce matin. Accorde-nous ce miracle. Accorde-nous ce miracle parce que tu es le bon berger. Oh, nous reconnaissons ce matin. Nous reconnaissons ce matin, Seigneur de gloire, Père, que le bon berger prend soin de ses brebis. Oh, lorsque nous allons, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, Père, rentrer dans ta porte, Seigneur, nous allons trouver, Seigneur, du pâturage. Fais en sorte, Seigneur, que mon frère, que ma sœur, aujourd'hui, qui puisse trouver du pâturage dans ta présence, dans les noms de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore prier, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare ceci. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais mes brebis. Tu vas dire, Seigneur, ô Dieu de gloire, oh, je veux aussi. Alléluia, je vais aussi te connaître ce matin. Je vais connaître maintenant ta voix. Je vais connaître ta voix. La Bible déclare, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est-à-dire, il y a une relation. Il y a une relation, il y a une complicité. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas demander à Dieu. Désire à Dieu ce matin qu'il soit le berger de ta maison, le berger de ta vie, qu'il soit le berger de ton foyer. Oh, qu'il puisse t'entendre, qu'il puisse te comprendre au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin au nom de Jésus? Oh, que tu puisses écouter le son de sa voix, que tu puisses comprendre, oh, sa façon d'agir au nom de Jésus. Oui, tendre Père, le bon berger, nous voulons encore tisser des relations avec toi. Nous voulons que tu que tu puisses prendre soin de nous, que nous puissions, Seigneur, écouter le son de ta voix. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Nous voulons que tu nous parles ce matin, car ta parole nous dit, tu nous connais, Seigneur de gloire, et nous aussi, nous voulons connaître le son de ta voix. Nous voulons connaître, ô Dieu de gloire, le son de ta voix. Nous voulons être avec toi dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, de maintenant et à jamais, de maintenant et à jamais. Dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, dès maintenant et à jamais, nous voulons te connaître plus, mieux, davantage, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Oh, tu vas demander à ton bon berger de te donner ce matin, de te donner ce matin, alléluia, oh, qui te donne un anneau, mais bien-aimé dans le Seigneur, d'amour, un anneau, mais bien-aimé, qui signifie l'appartenance dans le nom de Jésus, oh, qui puisse greffer en toi, alléluia, oh, sa marque, au nom de Jésus, oh, commence à prier ce matin, oh, tendre Père, mon Dieu, le bon berger de ma vie, je te prie ce matin, donne-moi un anneau, oh, une alliance dans mon doigt, dans le nom de Jésus, une alliance de l'appartenance ce matin, que j'appartiens à mon Dieu, que j'appartiens
j'appartiens à mon Éternel, que j'appartiens à mon Papa, dans le nom de Jésus. Je veux ce matin un symbole d'appartenance, un symbole d'appartenance ce matin, parce que tu es mon bon berger. Oh, je te prie ce matin, je te prie ce matin. Oh, je veux ce matin bénéficier, oh, d'un symbole de l'appartenance, d'une alliance de l'appartenance, Seigneur, dans mon doigt, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Oh, le bon berger de ma vie, je te prie ce matin, car la Bible déclare, je donne ma vie pour mes brebis. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons ce matin, Seigneur, de gloire, bénéficier l'appartenance, Seigneur, l'alliance de l'appartenance. Nous sommes donc le troupeau de ton pâturage. Alors nous voulons ce matin, oh Dieu, le symbole de l'appartenance, mais le symbole de l'appartenance dans notre expression, dans notre langue, dans notre conduite, dans nos doigts, dans notre corps, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Christ et Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tendre Père, nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare toujours dans Jean chapitre 10, au verset 27, il dit ceci: « Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent. » Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu ce matin d'ouvrir la capacité, alléluia, de ton oreille, de l'entendement. Tu vas dire, ouvre mon entendement, ouvre encore mon oreille spirituelle, afin que je puisse écouter le son de ta voix ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, il suffit, mais bien-aimé dans le Seigneur, de demander, alléluia, oh, que Dieu puisse ouvrir, oh, alléluia, ton entendement, que tu puisses comprendre ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle Dieu. Alléluia, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Que ton oreille soit sensible à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la voix du Seigneur. Que Dieu puisse ouvrir ton entendement au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Mon Père, mon Dieu ce matin, oh mon bon berger ce matin, la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix et je les connais, elles me suivent. Oh, je veux ce matin que mon entendement, mon oreille soit maintenant audible, soit maintenant palpable, soit maintenant sensible à écouter le son de ta voix. Oh, je veux ce matin écouter le son de ta voix. Oh, que tu me parles ce matin. Oh, je veux ce matin que mes oreilles soient débouchées. Que mes oreilles soient débouchées ce matin. Les oreilles de mes enfants, les oreilles de ton église. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Mama Shatala, Mama Leika Bocheta. Au nom puissant de Jésus. Oh, je veux ce matin, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 10 au verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Oh, je te prie ce matin, que mon oreille ne puisse pas écouter le son du monde, mais mon oreille puisse écouter le son de ta voix. Mon oreille, mes oreilles puissent écouter le son de ta voix ce matin, dans le nom de Jésus. Je t'en prie ce matin, je veux que mon oreille puisse être sensible à écouter, à exécuter, à comprendre la parole de Christ. La voix de mon Dieu, la voix de mon bon berger, dans les noms de Jésus. Fais en sorte ce matin, Seigneur, celui qui n'était pas, Seigneur, quoi, pas capable de pouvoir écouter le son de ta voix, qu'il puisse entendre ce matin. Oh Dieu de gloire, nous voulons qu'un miracle se produise encore au niveau de nos entendements, au niveau de notre oreille. Oh, que notre oreille soit sensible à ta voix ce matin, dans les noms de Jésus.
dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin en écoutant ta voix, Seigneur de gloire. Ta voix qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ta voix qui parle toujours dans notre oreille. Nous te prions ce matin, Seigneur, que nos oreilles soient sensibles à écouter le son de ta voix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, alléluia, la parole de Dieu déclare ceci, dans au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu ce matin, tu vas dire à Dieu ce matin, oh que tu reçoives la vie Zoé, que tu reçoives la vie divine, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin, Seigneur, donne-moi la vie éternelle, Seigneur, accorde-moi la vie Zoé, accorde-moi la capacité, oh de bénéficier cette vie ici sur la terre des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux commencer déjà à goûter la vie éternelle sur la terre des hommes, dans ce siècle présent. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Je vais vivre la vie éternelle dans ce siècle présent, dans le nom de Jésus. Je vais vivre la vie Zoé dans ce siècle présent, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Mon Père, mon Dieu, ce matin, toi qui donnes la vie éternelle, toi qui donnes la vie, lorsque tu donnes la vie, les gens ne périront point, les gens seront gardés en toi, les gens seront, Seigneur, protégés par toi. Alors nous te prions ce matin que ta vie nous protège, que ta vie nous donne, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, la force santé. Nous te prions ce matin, donnez-nous ta vie Zoé, la vie divine, la vie, oh, éternelle sur la terre des hommes. C'est possible de vivre la vie de Dieu sur la terre des hommes. C'est possible de vivre la vie de Dieu sur la terre des hommes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon Père, je te prie ce matin, je te prie ce matin, je veux ce matin, Seigneur oh Dieu, que Seigneur oh Dieu de gloire, oh que nous puissions bénéficier, ma famille puisse bénéficier, mes enfants spirituels puissent bénéficier, mes enfants biologiques puissent bénéficier, la vie Zoé, la vie divine dans leur vie, dans leur Seigneur de gloire quotidien, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais, dans les noms de Jésus, la vie Zoé ce matin, la vie de Dieu ce matin s'opère dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, personne ne le ravira de ma main. Personne, en d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons en sécurité. Alors tu vas demander la sécurité du bon berger. Demande la sécurité du bon berger dans ta vie. Sécurité du bon berger dans ma vie. La sécurité du bon berger. La protection du bon berger dans ma vie. Dans le nom de Jésus, que personne ne puisse te ravir. Ni la maladie, ni la mort, ni la contagion, ni la perte, ni le vol, ni la tribulation. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux prier ce matin au nom puissant de Jésus. Oh mon Père, oh mon bon berger, tu as dit dans ta parole est certaine, ta parole est véritable, ta parole est puissante. Personne ne nous ravira dans tes mains. Personne ne nous ravira dans tes mains. Lorsque nous sommes dans tes mains, nous sommes encadrés, nous sommes contrôlés, nous sommes surveillés, nous sommes protégés, nous sommes intouchables. Nous te prions ce matin que nos vies soient maintenant une vie intouchable, une vie contrôlée, une vie surveillée, une vie protégée par ta main puissante dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus, nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin que nos vies ce matin soient une vie protégée. Que nos vies ce matin soient une vie, oh, gardée, surveillée puissamment dans les noms de Jésus. Commence à surveiller parce que la Bible déclare, personne nous ravira
de ta main, ni la mort, ni la maladie, ni quoi que ce soit, ne rien ne pourra nous ravir entre tes saintes mains. Oh Dieu de gloire, nous te prions ce matin que la protection soit engagée, que la surveillance soit engagée, que la sécurité soit engagée. Au nom de Jésus, que nous soyons dans tes bras d'amour, dans tes bras saintes, dans tes bras bénissantes, dans tes bras miraculeuses, dans les noms de Jésus, qu'aucune personne ne pourra nous ravir entre tes saintes mains. Dans les noms de Jésus, préserve-nous encore, parce que tu es le bon berger, le bon berger prend soin de ses brebis, Mama chétene mon kolobo sata, mala mama chékerebo siya. Dans les noms de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je te prie ce matin, que personne ne soit ravi de ta main, que personne ne soit, oh Dieu, tombé de ta main, que personne ne soit, oh Dieu de gloire, en dehors de ta main. Nous voulons ce matin bénéficier de la protection divine dans les noms de Jésus. Oh Dieu de gloire, tu as dit personne nous ravira de ta main, Seigneur. Oh Dieu de gloire, même si nous voyageons, même si, Seigneur de gloire, nous prenons, Seigneur de gloire, l'avion, même si nous allons prendre, Seigneur de gloire, le chemin, Seigneur de gloire, oh Dieu de gloire, oh qui est, Seigneur de gloire, le chemin de voiture. Oh Dieu de gloire, tu nous protégeras. Nous te prions ce matin, Seigneur, la protection, Seigneur, dans nos vies, la protection dans nos foyers, la protection dans nos familles, la protection, Seigneur de gloire, oh, est demandée, souhaitée dans les noms de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Au nom de Jésus, la Bible déclare, mon Père qui me les a donnés est plus grand que nous, que tous, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous l'assurance que nous avons. Alléluia, l'assurance que nous avons. Alors ce matin, tu vas dire à Dieu d'assurer ta vie, Bien-aimé, que tu sois assuré spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois assuré par le bon berger. Tu vas dire, le bon berger assure ma vie ce matin. Bien-aimé, l'assurance de Dieu, elle est spirituelle. L'assurance de Dieu, elle est spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne tomberas pas malade. Tu n'auras pas les AVC. Tu n'auras pas les Alzheimer, au nom puissant de Jésus, parce que l'assurance de Dieu t'assure. Est-ce que tu peux demander, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, bien-aimé, sois conscient de ce que l'Éternel peut faire dans ta vie. L'Éternel des armées va te garder. L'Éternel des armées sera ton assureur, que l'assurance de l'Éternel te soit donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi pour l'assurance du monde, l'assurance de ta voiture, l'assurance de ta maison, à combien plus forte raison l'assurance de Dieu, que tu sois assuré, que ta vie soit assurée par l'assurance de Dieu dans les noms de Jésus. L'assurance de Dieu est éternelle, l'assurance de Dieu est éternelle et puissante et forte au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, ce matin, je demande au bon berger ce matin, oh, d'assurer ta vie, assure ma vie ce matin, assure la vie de mes enfants, assure la vie, oh, de ma femme, assure la vie de tout ce que je connais. Je te prie ce matin. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, tendre Père, le Dieu, le bon berger, l'Éternel de ma vie. Oh, nous voulons ce matin que tu assures, oh, nos vies ce matin par ton assurance, ton assurance, elle est réellement éternelle, elle est spirituelle, elle est forte.
Nous te prions ce matin, assure nos vies ce matin, que nous soyons assurés, que nous soyons sur la liste des assurés, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Papa, le bon berger, nous te prions ce matin, commence à assurer mes lendemains, commence à assurer mon présent, commence à assurer mon avenir, commence à assurer ma destinée, commence à assurer ma vie ce soir, ce matin, dans les noms de Jésus, que je sois assuré, à coup sûr, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, dans les noms de Jésus, que je sois assuré, Seigneur de gloire, Père, que je sois assuré, parce que Seigneur de gloire, Père, je veux, Seigneur de gloire, que ma vie, Seigneur, soit protégée, que je ne tombe pas malade, que je ne tombe pas, Seigneur, dans la paralysie, au nom puissant de Jésus, que ma vie soit assurée ce matin, au nom de Jésus, au Père éternel, Dieu de gloire, assure ma vie ce matin, que je sois assuré, Seigneur de gloire, Père, par la vitamine spirituelle, par la sainteté de Dieu, par la bonne santé de Yahvé, au nom puissant de Jésus. Viens assurer ma vie ce matin, assure mes yeux, et que mes yeux puissent voir, et que je ne puisse pas avoir des problèmes des yeux, et que je ne puisse pas avoir des blocages dans les noms de Jésus. Mon Dieu, ce matin, je te prie ce matin, viens nous assurer. Assure nos vies ce matin, assure nos vies ce matin, dans les noms de Jésus, assure ma vie ce matin, dans les noms puissants de Jésus. Oh, je te prie ce matin, le bon berger qui prend soin de ses brebis, le bon berger qui prend soin de ses brebis, le bon berger qui prend soin de ses brebis, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, le bon berger qui assure le lendemain de ses brebis, le bon berger qui donne la nourriture à ses brebis, le bon berger qui prend soin, qui lave ses brebis, le bon berger qui enlève les taches dans ses brebis, le bon berger ce matin vient nous assurer ce matin nos vies dans les noms de Jésus, afin qu'aucune malade ne puisse nous tourmenter et que nous puissions vivre longtemps et que nous soyons dans la longévité et que nous soyons dans la vie Zoé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, nous te prions ce matin, nous te prions ce matin, que nos vies soient assurées, que nos vies soient assurées ce matin, parce que le bon berger prend soin de ses brebis, le bon berger prend soin de ses brebis. Ce matin, Seigneur, commence à prendre soin, commence à prendre soin. Seigneur de gloire, Père, nous voici devant toi, prends soin ce matin, Seigneur, de tout un chacun. Prends soin de nos vies ce matin, assure nos vies ce matin, que notre vie soit assurée par toi, que nos véhicules soient assurés par toi, que nos mariages soient assurés par toi, que nos familles soient assurées par toi, assure nos vies ce matin. Seigneur, au Dieu de gloire, c'est que nous pouvons peut-être oublier, ignorer, Seigneur, c'est ton assurance. Nous voulons, Père éternel, que nous puissions ce matin bénéficier de cette assurance, l'assurance de Dieu, l'assurance de Dieu, car ton assurance, elle est éternelle, elle est puissante, elle est glorieuse, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, d'un maintenant et à jamais, au nom de Jésus, alléluia, amen, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, hosanna, 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 alléluia, gloire au Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour terminer, nous allons encore lire un passage et puis nous allons prier par la suite. Gloire au Seigneur. Nous voulons prendre, alléluia, dans Psaume, Psaume chapitre 23. Nous connaissons très bien ce passage. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, nous voici devant toi ce matin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, oh, tu vas dire à Dieu ce matin. Je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 23. Alléluia, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Waouh! Que l'Éternel soit béni. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous voulons demander le bonheur et la grâce puissent nous accompagner dans cette journée, puissent nous accompagner tous les jours de nos vies, que le bonheur et la grâce soient le partage de nos vies. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Le bonheur de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là aussi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'héritage. Le bonheur de Dieu, c'est aussi le trésor de Dieu. Le bonheur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, la réjouissance de l'Éternel. Oh, l'Éternel Dieu va te faire réjouir ton cœur au nom de Jésus. L'Éternel Dieu va frapper à ta porte pour te dire, oh, je te soutiens dans ma main droite. Est-ce que tu peux prier ce matin que le bonheur et la grâce te soient donnés ce matin? Le bonheur et la grâce soient ton partage dans cette journée. Le bonheur et la grâce t'environnent. Le bonheur et la grâce soit le manteau de ta vie. Le bonheur et la grâce soit le vêtement de ta vie. Le bonheur et la grâce t'environnent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle du bonheur, on voit les trésors de Dieu. La Bible déclare l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne payes pas de l'argent. Tu sais, la grâce est une grâce que tu n'as pas méritée. Une grâce imméritée. Malama shakala mashiki. Mon Père, le bon berger de nos vies ce matin, nous voulons ce matin, oh que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans cette journée, nous accompagnent dans notre voyage, nous accompagnent dans notre préparation du voyage, nous accompagnent dans nos déplacements. Le bonheur et la grâce nous accompagnent dans cette journée, le bonheur et la grâce nous accompagnent même au tribunal, le bonheur et la grâce nous accompagne au niveau des avocats. Le bonheur et la grâce nous accompagne dans notre situation. Dans les noms de Jésus, nous voulons le bonheur. Nous voulons le bonheur de Dieu. Le bonheur de Dieu, c'est la richesse de Dieu. Le bonheur de Dieu, c'est le trésor de Dieu. Le bonheur de Dieu, c'est le perle de Dieu. Nous voulons ce matin que le bonheur et la grâce nous environnent. Le bonheur et la grâce nous soient donnés dans les noms puissants de Jésus. Accompagne-nous. Garde-nous ce matin, oh par ton bonheur, que nous puissions trouver du bonheur au nom de Jésus. Le bonheur, Seigneur de gloire, dans le mariage. Le bonheur, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, dans tout ce que nous allons entreprendre. Le bonheur, Seigneur de gloire, Père, nous soit donné parce que l'Éternel, tu es notre bon berger. L'Éternel, tu es notre bon berger. Tu nous donnes, Seigneur de gloire, ton bonheur. Donne-nous ton bonheur en ce jour. Accorde-nous ce matin le bonheur et la grâce, le bonheur dans nos foyers, le bonheur dans notre parcours, le bonheur, Seigneur, oh Dieu, lorsque nous allons au travail, le bonheur, Seigneur, lorsque nous allons au champ, le bonheur lorsque nous allons dans la ville, le bonheur lorsque nous accueillons, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, la cueillette, au nom de Jésus. Oh, lorsque nous récoltons, Seigneur de gloire, Père, nous voulons le bonheur. Lorsque nous sémons, nous voulons le bonheur. Lorsque nous travaillons, nous voulons vivre le bonheur de Dieu. Que du bonheur, Seigneur de gloire, et la grâce, Seigneur, nous environne ce matin dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus, ma prière est que ce matin, Seigneur, que chacun de nous puisse trouver, Seigneur, oh, le bonheur dans sa vie, le bonheur dans sa vie, Seigneur de gloire, le bonheur dans sa vie, Seigneur, le bonheur de Dieu, le bonheur de Dieu, les trésors de Dieu, le trésor de Dieu. Malama shekerebosia, oh Père éternel, nous voici donc, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh, bénéficier du bonheur, Seigneur, de gloire, Père, de ta présence, du bonheur, Seigneur, dans tout ce que nous allons entreprendre, le bonheur, Seigneur, de gloire, Père, dans nos travails, dans nos études, Seigneur, que du bonheur, que la réussite, au nom de Jésus.
Alléluia, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mama chetelebo shekala mama lebosa. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que le bonheur t'environne, le bonheur de Dieu, le bonheur de Dieu t'environne, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin, tu vas encore prier ce matin. Oh, frères et sœurs, il y a une demeure, il y a une demeure qu'on appelle « J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Ça s'appelle la maison de l'Éternel. Une demeure. Bien aimé dans le Seigneur, que tu sois dans la demeure de Dieu. Tu vas dire à Dieu ce matin, « Je désire demeurer dans ta demeure. Je désire demeurer dans ta demeure. Je désire demeurer dans ta maison. Je désire demeurer dans ta maison. » La maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Là où il n'y a pas de pleurs. Là où il n'y a pas de graissement dedans. Là où il n'y a pas des angoisses. Oh, tu vas désirer ce matin. Je désire demeurer dans ta demeure. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Le bon berger, toi qui es la porte des brebis, la porte des brebis. Oui, tu possèdes une maison. Tu possèdes une maison. La maison de Dieu. La maison des brebis. La maison de l'Éternel. La maison du bon berger. Nous voulons ce matin demeurer dans ta demeure. Nous voulons ce matin demeurer. Je veux que mes enfants demeurent dans ta demeure. Je veux que ma vie demeure dans ta demeure. Je veux que mon héritage demeure dans ta demeure. Je veux que ma santé demeure dans ta demeure. Je veux que, Seigneur, oh Dieu, mon foyer demeure dans ta maison. Au nom de Jésus. Oui, ce matin, nous désirons ta demeure. Nous désirons ta demeure. Je veux que, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, mon futur soit dans ta demeure. Au nom de Jésus. Dans ta demeure, nous avons, Seigneur, la vie. Dans ta demeure, Seigneur de gloire, nous avons la réjouissance. Dans ta demeure, nous bénéficions ce matin, oh, le pâturage dans le nom de Jésus. Nous voulons ta demeure ce matin. Nous voulons désirer dans ta demeure. Nous voulons résider dans ta demeure. Nous voulons habiter dans ta présence, dans ta maison ce matin. Au nom de Jésus, que Seigneur de gloire, que personne ne soit sans abri. Que personne ne soit sans abri ce matin, dans le nom de Jésus. Accorde tout un chacun, Seigneur, une maison. Accorde à tout un chacun, Seigneur, au Dieu de gloire, un endroit approprié, un endroit où demeurer, un endroit où habiter, un endroit où s'abriter, au nom puissant de Jésus. Accorde à ton peuple ce matin, accorde à ton peuple ce matin, un endroit approprié, un endroit bénéfique, un endroit glorieux, dans le nom de Jésus. Ah, nous voulons ce matin, comme le psalmiste dira, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Nous voulons habiter maintenant, pas demain, c'est maintenant, maintenant, now, à l'instant T. Nous voulons demeurer, nous voulons habiter dans ta demeure. Fais-nous habiter dans ta demeure, fais-nous habiter dans ta demeure, au nom de Jésus. Que ma vie demeure dans ta demeure, que mon être demeure dans ta demeure, que mon esprit demeure dans ta demeure, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur pour clôturer ce moment. Éternel Dieu des armées, nous voici devant toi. Le psalmiste dira, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Alors le secours me vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, libère, oh Dieu de gloire, le miracle dans la vie de ton peuple. Libère un miracle dans la vie de ton peuple ce matin. Seigneur, oh Dieu de gloire, je veux que ton peuple, Seigneur, puisse trouver du secours. Je veux que ton peuple puisse trouver, Seigneur, la joie de vivre. Je veux que ton peuple puisse trouver, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh, le pâturage
davantage dans ta bergerie. Au nom puissant de Jésus, que ton peuple puisse bénéficier le pain du jour. Au nom de Jésus, Seigneur, au Dieu de gloire, fais en sorte, Seigneur, qu'il y ait des témoignages de miracles, le témoignage de miracles dans leur santé, le témoignage de miracles dans leur vie. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Ceux-là, Seigneur, qui vont voyager, ceux-là qui sont en train peut-être d'aller au travail, Seigneur, au Dieu de gloire, accompagne-le, garde-le fidèle à toi, puissamment dans les noms de Jésus. Ceux-là, Seigneur, qui vont prendre des transports en commun, ceux-là, Seigneur, qui vont aller chercher du travail, Seigneur, au Dieu, je te prie ce matin que ton bonheur les accompagne, que ton bonheur le rassure, au nom de Jésus, qu'ils sortent plus que vainqueurs, au nom de Jésus, que, au Dieu de gloire, je veux, Seigneur de gloire, que tu puisses pleuvoir la pluie de la bénédiction dans chaque, Seigneur de gloire, ô Dieu vit, dans chaque maison, dans chaque contrée, dans les noms de Jésus. Bénis ton peuple ce matin. Garde ton peuple fidèle à toi, au nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu de gloire, par-dessus tout, nous savons, Seigneur, c'est que toi qui gardes la vie, c'est toi qui veilles, Seigneur, ô Dieu. Garde ton peuple fidèle à toi, dans les noms puissants de Christ et Jésus. Nous t'avons si prié et nous disons, Seigneur, éternel, que cette journée, Seigneur, ô Dieu, nous procure de miracles, nous procure de la faveur, nous procure du bonheur, nous procure de la grâce dans les noms de Jésus. Oh, je déclare ce matin, sois le bon berger de tout un chacun, sois le bon berger de tes enfants ce matin et que tu opères et que tu crées un miracle surnaturel, un miracle visible, un miracle palpable, un miracle dans la vie de ton peuple et cela dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'en suis prié et nous disons tous Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment merveilleux et que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse puissamment, abondamment. Alors ne partez pas si vite, aimez simplement la vidéo comme une reconnaissance, comme un point de contact, alléluia, de miracle dans votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Si vous êtes là pour la toute première fois, mettez votre ville, mettez votre pays. Surtout, c'est mieux de mettre le pays. Mettez le pays par lequel nous allons comprendre que vous habitez dans tel pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous voie, que le Seigneur puisse vous localiser ce matin au nom de Jésus. Alors soyez bénis ce matin, soyez bénis dans cette journée, que le Seigneur vous garde. Je vous souhaite une excellente journée glorieuse dans la présence de notre Dieu. Soyez bénis, si vous êtes là pour la toute première fois, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes la tour de prière semeur, une plateforme par laquelle Dieu a permis que nous puissions faire des prières du matin, ce qu'on appelle d'avancer l'aurore. Amen. Avant que nous puissions commencer notre journée, nous recommandons notre journée entre les mains du Seigneur. Nous demandons à Dieu le pardon du péché. Nous demandons la purification. Frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu nous fait. Alléluia. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vous souhaite une agréable journée miraculeuse dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et aujourd'hui, on est le jeudi. Donc, peut-être, si tout va bien, je crois que nous aurons aussi, vous aurez la prière du midi. Amen, amen, par la prophétesse. Alors, je salue Valérie à partir de Miami aux États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you so much. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie. I'm so glad to see you today. Vraiment, je suis dans la joie de te voir connecté dans cette plateforme. Que Dieu te bénisse abondamment. Et si vous n'avez pas une plateforme d'attache, celle-ci peut devenir la vôtre et que vous puissiez être dans la famille chrétienne. Victorine, à partir de l'île Maurice, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Le bonheur et la grâce soient votre partage au nom de Jésus. Soyez bénis. Une excellente journée et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. À partir de la Suisse là-bas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde parce que je vis la tempête qui a été produite la fois passée. Vraiment, c'était tellement forte.
Alors, je tiens que le Seigneur puisse vous sécuriser puissamment au nom de Jésus. Soyez bénis et à très bientôt. Shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À la gloire de Dieu le Père. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Nous sommes sauvés. Ah oui, nous sommes sauvés. Son sang versé. Alléluia. Son sang versé nous a rachetés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.